Et qui veut qu'aucune âme
personne ne se perde, qu'aucun pécheur n'ait peur de s'approcher. Mère, toi qui connais toutes nos souffrances et nos espérances, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres qui secouent notre monde actuellement. Reçois l'appel que, mû par le Saint-Esprit, nous adressons directement au cœur de Jésus en ce jour de la divine miséricorde par ton cœur. Et avec ton amour de mère et de servant du Seigneur, embrasse notre monde que nous t'offrons et te consacrons, plein d'inquiétude pour le sort terrestre et éternel des hommes et des peuples, des nations. Nous t'offrons et nous te consacrons d'une manière spéciale l'humanité tout entière, les nations qui ont particulièrement besoin de cette offrande et de cette consécration. Oui, Mère, sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. On ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Nous avons besoin de sentir ta présence, Mère, au cœur de cette détresse, en ce jour de la divine miséricorde, pour l'humanité et pour le monde. En ce jour saint, béni sois-tu par-dessus toute créature, toi la servante du Seigneur qui obéit de la manière la plus pleine à l'appel du Seigneur. Enseigne en ces temps au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Aide-nous à vivre dans la lumière et dans la vérité. Face à cette pandémie, ô Mère, nous te confions tous les hommes et tous les peuples. Que ton cœur maternel, ô Mère, soit notre refuge et nous établisse dans le cœur sacré de Jésus. Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la faim et de la guerre, délivre-nous. D'une autodestruction incalculable, de toutes sortes d'épidémies et de pandémies, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De toutes les genres, de tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative qui décime nos peuples, nos nations, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, d'une manière spéciale, en nous préparant pour cette Eucharistie, merci toi qui visites tous ceux qui vivent avec nous cette prière à travers Radio Sainte-Marie, Facebook, la page EDM Pro, la page Le Chemin et tous ceux qui se sont connectés. Seigneur, en se connectant en ce temps de prière, ils se sont plus connectés à toi, à ta grâce, à ton cœur et aux rayons d'amour et de miséricorde qui se communiquent à travers cette fête de la divine miséricorde. Merci toi qui viens relever plusieurs, toi qui viens réconforter et consoler, toi qui viens fortifier, parce que c'est une force nouvelle qui se communique à plusieurs, qui ressentent comme à nouveau l'appel au fond d'eux, en eux. Merci toi qui es venu nous amplifier et donner à ta parole qui est en nous, qui a été semée en nous
par la grâce de notre baptême, de pouvoir porter tout son fruit, un fruit qui demeure. Seigneur, nous ne serons plus jamais comme avant, mais c'est un visage nouveau que tu nous as communiqué en cette nuit. Merci Seigneur, parce que même si notre cœur nous condamne, toi tu es plus grand que notre cœur et tu nous invites à te faire confiance, à revenir toujours à toi, quel que soit. Seigneur, que personne n'oublie cette parole, même au plus fort de l'épreuve. Que les cœurs se souviennent, Seigneur, que tu as dit, moi non plus je ne te condamne pas. Moi non plus je ne te condamne pas. Je suis ton Dieu et je t'aime d'un amour éternel. Même si tes péchés étaient rouges comme l'écarlate, moi ton Dieu, je les rendrai plus blancs que neige parce que je t'ai fait pour la vie. Et je veux que tu vives. Seigneur, merci parce que tous ceux qui vivent avec nous ce temps maintenant et qui entendent ta parole, Seigneur, même au plus fort de l'épreuve, tu seras pour eux le secours et l'espérance. Seigneur, merci pour le ministère des anges que tu poses maintenant tout autour de chacun de nous, afin que notre pied ne heurte pas la pierre et que la mission que nous sommes, que nous devons accomplir, se réalise. Parce que Seigneur, tu as donné une mission à chacun de tes anges, que ta parole se réalise en nous. Merci parce que tu as équipé nos anges et nos vies de tout ce qu'il faut pour réussir. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Amen. Amen. Les anges nous
2. Il dit ceci, comme les enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, ayez avide du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia. Et à travers toutes les connexions sur Facebook et bien d'autres réseaux, et au regard des auditeurs branchés sur Radio Sainte-Marie à cette heure encore, c'est dire que vous avez soif de ce lait pur qu'est la parole. Une parole qui vient réchauffer nos cœurs, une parole qui est celle du Christ ressuscité, une parole qui, à travers l'envoi de la femme de Marie-Madeleine, qui va annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité, qu'elle a vu Jésus, et à eux de courir grandement vers le tombeau de Jésus, et comme le dit Saint Jean, il vit et il crut. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie, parce que bien de fois, nous avons du mal à croire, nous avons du mal à adhérer à Jésus-Christ, nous avons du mal à participer grandement à la célébration des sacrements. Nous avons du mal à nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pascal, augmentons-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés.
que l'Esprit nous a fait renaître et que le sang nous a racheté par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en ce de Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, verset 42 et suivant. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix à tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Amen. On est grâce au Seigneur, car éternel est son amour. On est grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car l'Éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car l'Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Rendez grâce au Seigneur, car l'Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Rendez grâce au Seigneur, car l'Éternel est son amour.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps, vous en tressaillirez de joie. Même s'il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la qualité de votre foi. Qui est bien plus précieuse que l'or? Cet or voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure. Car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Tout
homme à qui vous parlez, vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or, l'un de douze, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Oui, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais cela y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Quelques jours, en ouvrant la neuvaine à la Divine Miséricorde, nous écoutions un son, une voix du Vendredi Saint à la Basilique Saint-Pierre. C'est le prédicateur de la maison pontificale qui haussait le ton. C'est de coutume que le Vendredi Saint, lors de l'office de la Passion, ce n'est pas le pape qui prêche, c'est le prédicateur de la maison pontificale qui prêche, un prêtre capucin. Et il saluait la pandémie qui n'épargne personne, qui ne fait pas de différence entre les hommes. Et disait-il, elle va donner à l'humanité entière de réfléchir sur ce que nous avons à donner ou à laisser aux générations à venir. Non pas un compte garni, mais il saluait cette solidarité des peuples à préserver la vie, à secourir la vie.
Oui, frères et sœurs, nous venons de clôturer notre neuvaine à la Divine Miséricorde. Une neuvaine reçue par sœur Faustine, une confidente de Jésus, mais une neuvaine aussi qui a été approuvée par le Saint-Siège, de par le Saint-Pape Jean-Paul II. Et qui nous donne, en ce deuxième dimanche de Pâques, de pouvoir célébrer la miséricorde du Seigneur. Où se trouve-t-elle, cette miséricorde? Tout à l'heure, durant l'enseignement qu'on nous a donné sur Anastasia, elle a pris bien de paroles qui nous manifestent la miséricorde du Seigneur. Commençons par la femme, ou commençons même par l'évangile tout entier de Luc, qui nous chante la miséricorde du Seigneur. Et le temps de carême que nous avons eu, nous avons médité la parabole du Fils prodigue, la parabole du Père miséricordieux. C'est toute la miséricorde du Seigneur. Il ne condamne pas le Fils qui a demandé sa part d'héritage, mais il se donne de l'accueillir lorsqu'il aperçoit celui qui court vers le Fils. Il n'a pas besoin d'écouter la contrition du Fils et il demande qu'il lui soit mis une nouvelle robe, qu'il lui soit mis une barbe aux pieds pour retrouver l'alliance. Et il se donne aussi, comme père, de pouvoir accueillir le Fils aîné qui était perdu dans la maison. Et il lui dit, « Ton frère, voici, il t'est mort, il est revenu à la vie. » Oui, le Seigneur est plein de miséricorde envers chacun d'entre nous. Et il est vrai que nous vivons souvent en cherchant à condamner nos frères et nos sœurs. Et même dans le regard que nous portons sur nous-mêmes, nous sommes souvent très sévères envers nous-mêmes. Et la sœur nous a échangé parole du Christ qui nous dit, même si je sentais que le poids de mes péchés était si grand, je la pensais toujours à la miséricorde qui est plus grande que le mal que j'ai fait. Et nous pouvons penser à toutes ces paraboles de la pièce perdue et retrouvée qui redonne la joie. Et oui, c'est cette joie que le Christ Jésus vient répandre dans nos cœurs. En ce moment difficile, nous avons nous aussi à retrouver la joie que le Seigneur veut nous donner ce soir. Et nous sommes heureux si nous veillons ce soir, c'est parce que nous sommes conscients de la miséricorde du Seigneur sur chacun d'entre nous. Parce que nous savons que bien de fois, nous nous égarons, nous nous éloignons du Seigneur, mais lui, il tient toujours à nous reprendre, à nous porter comme la brebis égarée. Il laisse sur la colline les 99 brebis pour aller à la recherche de la brebis égarée. Cette brebis égarée, c'est chacune d'entre nous. Dans la page d'Évangile que nous venons d'écouter, Jésus est ressuscité et les apôtres ont fait l'expérience de résurrection. En ce 8e jour, l'expérience qu'ils font, c'est Jésus qui apparaît, mais il y a un absent. Et voici, en 611, c'est-à-dire que le collège a été reconstitué, puisqu'il y a Matthias qui va remplacer Judas Iscariote, et voici qu'ils sont là. Et Jésus se donne d'apparaître. Et c'est beau de voir que Jésus, qui se manifeste aux apôtres, comme premier, comme salut qu'il donne aux apôtres, c'est la paix. Oui, la paix parce que les apôtres ont cheminé avec Jésus et n'ont pas été capables de rester fidèles à Jésus. Et il leur dit, la paix est avec vous. Il ne vient pas à les juger, mais il vient leur donner la paix. Et ensuite, il souffle sur eux. Il leur donne de devenir missionnaire, il leur donne une mission, celle d'annoncer l'Évangile, celle de célébrer les sacrements.
Et il institue en ce jour la miséricorde, le sacrement par excellence de la miséricorde, qu'est le sacrement de la réconciliation. Combien d'entre nous osons encore penser à nous confesser? Nous disons souvent, c'est quand j'étais petit, les parents m'y obligeaient. Mais nous savons les bienfaits du sacrement de la réconciliation. On n'a pas besoin d'attendre le soir de sa vie pour pouvoir se confier au Seigneur, pouvoir déposer au pied du Seigneur tout ce qui a de lourd en nous. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui ployez sur le poids, comme nous le voyons ici, Jésus ou femme Toby, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est parce que nous avons confiance au Seigneur que nous venons nous blottir à lui, que nous venons déposer comme la femme pécheresse qui vient pleurer au pied de Jésus. Et celui qui avait invité Jésus le dit, si seulement il savait qu'était cette femme, mais il n'oserait pas, s'il était prophète, il n'oserait pas l'accueillir. Jésus dit, mais je suis rentré chez toi, tu ne m'as même pas donné l'eau. Mais elle, depuis qu'elle est rentrée, elle mouille de mes pieds ses larmes, et elle les essuie avec ses cheveux, autant d'amour. Oui, quand on aime, on pleure, quand on aime, on se passionne. Et cette femme, à qui, comme dit le Seigneur, à qui on a beaucoup remis le péché, on manifeste beaucoup d'amour. Nous avons à accueillir ce soir, avec foi, ce sacrement que le Seigneur nous a donné, le sacrement de la réconciliation. C'est lui qui a soufflé sur les apôtres et leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. Et si jamais la parole de Dieu ne passe jamais, c'est-à-dire que cette parole prononcée par le Christ Jésus sur les apôtres, et nous savons que le collège des apôtres, aujourd'hui, le successeur du collège des apôtres, déjà en dehors de Pierre, qui a son successeur, qui est le pape, mais c'est le collège des apôtres dont le collège des évêques est successeur. Donc ce pouvoir donné aux apôtres est donné aussi aux évêques. Et ce pouvoir donné aux évêques, les évêques nous le donnent aussi de par la grâce de l'ordination sacerdotale. C'est pour cela que, en cette célébration, j'ai une pensée particulière pour notre archevêque émérite, Monseigneur Basile, qui s'est passionné des vocations à travers toute notre nation. Lorsqu'il était évêque d'Oyem, le séminaire Saint-Isito était un séminaire plein de jeunes, et il a ordonné tant de jeunes. Lorsque le pape Jean-Paul II l'a invité, après le départ de Monseigneur Obamba, à assurer l'administration apostolique du diocèse de Mouila, il a encouragé tant de jeunes qui sont rentrés au séminaire, il a ordonné tant de jeunes. Et venu à Libreville comme archevêque, il a œuvré avec ses frères à l'édification de notre grand séminaire de Saint-Augustin, qui nous a donné tant de prêtres, dont celui qui vous parle ce soir, ce matin. Et lorsqu'il a été administrateur de Franceville pour la première fois, il a aussi encouragé tant de jeunes à suivre le chemin du sacerdoce, à annoncer la bonne nouvelle. Et il y a une semaine, il est devenu archevêque émérite de par la cérémonie de prise de possession canonique de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui est devenu notre nouvel archevêque. Nous allons pas bénir le Seigneur pour cette transmission apostolique qui nous donne de vivre de l'annonce de la bonne nouvelle et de pouvoir vivre aussi de par la célébration des sacrements, n'est-ce pas? Que tous vous pouvez témoigner, aussi bien vous que nous suivez à travers la radio, à travers Facebook, que depuis qu'il y a eu la pandémie déclarée chez nous et qu'il nous a été demandé de fermer les églises, beaucoup d'entre vous ne peuvent plus communier de manière concrète, mais de manière spirituelle. Et cela vous fait mal.
C'est dire combien de fois les sacrements sont importants dans la vie. Ils sont comme ce lait que donne, que reçoit un enfant afin qu'il puisse grandir. Et ce lait de la parole, ce lait des sacrements nous donne de devenir enfants de Dieu. Et lorsque le péché nous accable, nous avons à faire recours au sacrement de la réconciliation. Et je sais qu'en ce temps de Pâques, beaucoup de nos frères et de nos sœurs ont sollicité tant de prêtres dans les paroisses afin de recevoir l'absolution, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Et quand on ressort d'une célébration de la confession, on est tout heureux, on est tout joyeux. Puis le Seigneur encore nous donner en ce dimanche de la miséricorde de suivre ses pas et de pouvoir recevoir de lui le pardon qu'il veut nous accorder, mais à une seule condition, que nous puissions être aussi capables d'aller vers le Seigneur et de pouvoir déposer à ses pieds ce qui est lourd en nous. Hein? Et un prédicateur disait, un père spirituel, disait que si je me donne d'aller à la confesse et que je dise au prêtre que j'ai volé dans un panier de 12 membres, j'en ai pris 6 et après je partirai pour reprendre les 6 autres qui restent. À ce moment-là, nous ne pourrons pas recevoir l'absolution parce que en nous, il n'y a pas une ferme résolution de changer. Et nous sommes là, vivant ce dimanche de la miséricorde parce que nous reconnaissons pécheurs et nous voulons changer. Nous voulons que le Seigneur puisse envoyer son Esprit Saint pour nous aider à décoller et à pouvoir nous réjouir de la grâce que le Seigneur veut nous donner. Mais il y a aussi, dans ce passage d'évangile entendu, en ce dimanche de la miséricorde, l'absence, je dirais, bienheureuse de Thomas. Lorsque Thomas rentre, les autres lui disent, mais Jésus était là. Il dit, non, si je ne vois pas de mes yeux, si je ne touche pas sa main, son côté, non, je ne croirai pas. Et 8 jours après, Jésus est là. Et il leur dit, la paix est avec vous. Et voici, il dit à Thomas, avance ton doigt. Thomas s'incline profondément et dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Sommes-nous capables de reconnaître en ce Jésus, fils de Marie, qui a souffert la passion et qui est ressuscité, notre Seigneur et notre Dieu? Et le loup de Thomas va nous donner aux béatitudes existantes d'avoir une ultime béatitude, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais cette béatitude, elle est notre béatitude, parce que personne d'entre nous n'a vu le Christ Jésus. Et nous croyons en lui. Nous croyons en lui. Et nous voulons le suivre, nous voulons nous passionner de lui. Nous avons quitté notre lit pour être là, devant notre téléphone, devant notre télévision, devant notre poste de radio, parce que nous croyons. Et sans avoir vu, nous sommes là et nous nous passionnons de Jésus. Nous savons que Jésus ne peut jamais nous décevoir. Nous savons que Jésus, il prend toujours sur lui ce qui est lourd en nous. Et nous venons à lui avec confiance. Merci Seigneur Jésus d'avoir su que nous serons nombreux à venir à toi, de génération en génération. Et nous sommes là ce soir, ce petit matin, avec toi, parce que nous savons que tu réchauffes nos cœurs, que tu es le Dieu de la vie et que c'est toi qui nous ressuscite aussi. Tu es ressuscité pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir de manière surabondante. Et nous voulons te rendre grâce, oui Seigneur. Dans la première lecture entendue, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment est-ce que les apôtres, qui venant à la foi de par les disciples, ils vivaient d'une communion profonde. Personne ne se disait propriétaire de ce qu'il avait. Oui, en ce temps difficile, nous donnons aussi
chacun d'entre nous, d'être solidaire de ceux qui souffrent autour de nous. C'est vrai, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mais nous devons être aussi patients, parce que quand on lit, quand on écoute à travers les réseaux sociaux, mais certains, ils sont toujours là, en train de rechigner, en train de bouder. Ils ne voient jamais une organisation qui se met en place, qu'elle peut prendre du temps, des jours, et elle se mettra en place. N'est-ce pas que depuis hier, beaucoup d'entre nous sommes heureux d'avoir le ticket qui nous donne nos unités et d'âme. Mais combien avons-nous envoyé de messages? Mais la machine, si elle reçoit trop de messages, elle peut se bourrer et nous devons attendre, être patients. Nous commençons à formuler des messages sur Facebook pour dire « Ah, c'est encore une parole qui nous est donnée de manière politique pour nous berner. » Non, soyons patients. Vivons cette difficulté mondiale qui s'organise chez nous avec beaucoup de patience et prions les uns pour les autres. Prions particulièrement pour nos décideurs. Prions particulièrement pour ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont dans les structures sanitaires, que nous ne puissions pas voir dans ce qu'ils font un rejet. Non, ils se sont engagés avec foi et de bonne foi pour être au service de la vie de leurs frères et de leurs sœurs. Toutefois, ils sont dépassés entre les charges de la famille, entre le parcours qui leur donne de revenir à leur lieu de travail. Ils sont surmenés. Mais nous devons prier pour eux. Nous devons être patients les uns pour les autres. Et ne pas penser qu'il y a des privilégiés. Et comme disait le prédicateur du Saint-Père, mais il n'y a pas de privilégiés face à la pandémie du coronavirus. À tous, tout le monde, quelle que soit la classe sociale. Mais nous devons tous nous efforcer de laver les mains, nous efforcer de respecter ces distances, nous dirions en église canonique, pour que nous ne puissions pas nous contaminer les uns les autres, mais que nous puissions véritablement vivre avec beaucoup de charité. Parce que là où sont amour et charité, Dieu est présent. Et là où Dieu est présent, il n'y a pas de mort, il y a la vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, en ce jour de la résurrection, professons notre foi. Je crois en Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité et remonté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Jésus le Christ, toi qui apparais à tes apôtres, qui sont apeurés et qui soufflent sur eux, leur redonnent courage et leur redonnent la paix. Viens toi-même exaucer toutes les intentions que nous faisons monter vers toi. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Amen.
fête de la divine miséricorde. Père éternel, nous t'apportons les âmes du pape, les prêtres, religieux et religieux. Qu'elles soient immergées dans les flots de cette miséricorde, afin qu'elles mènent à bien comprendre la terre. Jésus miséricordieux, nous t'apportons ton les guider dans leur prise de décision en ce temps de crise. Jésus miséricordieux, nous avons confiance en vous. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Père éternel, nous t'apportons les âmes des malades et du personnel soignant. En ce temps particulier où le monde est confronté à la pandémie du COVID-19, nous crions vers toi et notre espérance est en toi. Jésus miséricordieux, nous avons confiance en toi. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours. Nous t'apportons les âmes de chacun de nous ici présents, tous nos frères et sœurs et le monde entier en union de prière à travers les réseaux sociaux. Immerge-les de ta miséricorde, maintenant et à l'heure de la mort. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Esprit de Dieu, intercède. Pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir les arbustes de l'Église. Pour la gloire de Dieu et de salut. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui vont naître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils prennent, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux sauve pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a rapprochés de la mort et nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ce fond en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de notre charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, son prédécesseur, Basile, et toute la chair de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de tous ceux qui participent à travers la radio. Présente leur joie, leur peine, mais aussi à travers ces pages Facebook. Nous pleurons ta bonté, Seigneur, sur notre pays. Sur tous les hommes et toutes les femmes,
surtout ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui œuvrent pour la recherche, ceux qui nous gouvernent, notre président de la République, te confions, Seigneur. Confions aussi tous ceux et toutes celles à qui personne ne pense, que même connaît, et dont le cœur est plein de miséricorde. Permets qu'à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayant part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et te gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui que cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon âme, âme. Invités au festin du royaume, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, elle sera faite par distinction, chacun passera comme ceci. Chacun communiera au corps et au sang du Christ, en respectant les mesures barrières. Thank you.
louons encore le Seigneur. T'en priant du Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Merci.